Alors, donc l'opératrice a commencé déjà par identifier une zone, voir les infractions. Donc là, en l'occurrence, du stationnement gênant à gauche et du stationnement à droite interdit sur des pistes cyclables. Puis, à l'aide de son joystick, elle déplace la caméra pour pouvoir voilà zoomer et donc après identifier ce qu'elle est en train de faire actuellement, la plaque d'immatriculation. Faire un point de marquage, donc on retrouve les photos là sur l'écran gauche, et c'est à partir de là qu'elle va pouvoir après rédiger le PV tel qu'elle pourrait faire un PV avec le PDA. Donc le PDA, c'est le matériel qu'ont les agents traditionnellement lorsqu'ils sont en équipage et qu'ils sont dans la rue, et par lequel ils font directement une verbalisation qui part au trait au centre à Nantes.